Ok, j'aime mon coup d'équipe. Ça, c'est parti. Merveilleux. Allez. Oh oui, oh oui. Ça augmente, ça augmente. J'ai mon outil. Mon outil d'arme. Yes. Oh oui, il est paralysé. Excellent. Ça, ça a été. Ça a été sa toute fin, ça. Il me fait mal. Allez. Presque. Oh oui. Alors, j'ai vu un ulti qui est parti. Haha. Soga no Iluka est notre nouveau Mitama. Alors, où est-ce que j'avais des trucs à récup? Là-bas. Donc tout ce qu'on peut. Si. Là-bas. Et ce sera tout. Hop là. Ah, des petits villages. ...5000 balles. Là, j'ai un niveau 5... ...qui est atteint. Ok, maximisé. Vous allez voir mon pouvoir. Scarlet Fin, c'est ce qu'il me fallait, je crois. Non, pas du tout. Non, c'est Sliding Skin qu'il me faut, j'en ai deux. Je crois. Hein. On va voir, mais je crois qu'ils m'ont rapporté ce dont j'ai besoin. Pour finaliser mon armure en cours. Et après, on pourra petit à petit faire les pièces de la prochaine armure. Excellent. Parce qu'il y a des quêtes qui sont faites. Red Clay. De la part d'un peintre. Mon nom est Miyoshi et je suis un artiste. Je tente de capturer le conflit vaillant des Slayers qui se battent contre la fin du monde. Par contre, j'ai plus d'argile rouge. Est-ce que vous pourriez m'en ramener un petit peu, s'il vous plaît? Pas de soucis. 1000 balles. C'est bien gentil. Là, le jeu, j'en ai fait 1 sur 2, du coup, c'est cool. Ah, donc dès que j'ai une quête qui est finie, je peux quand même la terminer tranquillement. Atsuo ? Ah, je vois. Tout fait sens maintenant. C'est rare, mais certaines personnes peuvent se perdre dans le temps. La plupart acceptent d'avoir été envoyé en termes d'esprit. Je sais pas trop comment dire, mais d'avoir été balancé ailleurs. Mais cela soulève une autre question. Les Oni sont plutôt... Les Oni étaient plutôt rares il y a 8 ans de cela. Alors pourquoi est-ce que tout cela arrive si soudainement? Qu'est-ce qu'était le Awakening? D'où est-ce que les Oni viennent? Peut-être que... tout cela revient au même que ce qu'a vécu Atsuo. Peut-être que les Oni viennent du passé. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire quand ils sont partis sur la théorie du second awakening qui va venir, c'est le fait que, vu qu'ils utilisent des âmes, et que les âmes veulent revoir leurs proches, peut-être que du coup les âmes veulent se rediriger vers le passé, et que c'est comme ça qu'il y a un pouvoir, en mode je veux aller vers le passé, le pouvoir est tellement grand que ça fait un portail vers le passé, et les Oni du passé viennent vers cette époque-là, du coup il y a moins de Oni dans le passé, c'est pour ça que il y a moins d'attaques de Oni dans le passé, tu vois, c'est... Je me disais, il y avait peut-être un truc comme ça. Ah, via une porte du temps. L'Awakening a peut-être été une ouverture pour cette porte.
J'ai toujours pensé étrange qu'il y ait tellement de Mitama capturés par des Oni. Il n'y a pas d'archives dans nos histoires de l'âme de héros dévorée par des Oni. Même s'ils prennent des Mitama depuis des temples. Faits par les Slayers, ce ne serait pas suffisant. Mais si les Oni peuvent traverser le passé, enfin peuvent voyager entre le passé et le présent, alors tout pourrait s'expliquer. Les Oni dévorent les âmes de nos plus grands héros du passé, puis ils revoyagent par ici. Si c'est la vérité, alors on a peut-être encore une chance de les vaincre. Un autre de tes plans secrets? Dis donc, mais comment est-ce que tu as deviné? J'espère que je vais être capable de tout te dire un jour. Jusqu'à là, sois sain et sauf. Vous voyez, quand il parle comme ça, on comprend que c'est un mec qui a des secrets, mais où t'as envie de te dire. T'as envie de te dire qu'il a des intentions qui sont juste très très loin. Et après, on sait pas trop pourquoi il nous en parle pas, ça par contre c'est un petit bâtard, mais tu sens que c'est un mec, il est sur quelque chose quoi. C'est peut-être lui la clé pour nous permettre de vaincre. Après, je sais pas pourquoi il fait des trucs bizarres avec Kika. Ah mince, c'est un dialogue que j'ai jamais eu. Je pensais que c'était un truc que j'avais déjà eu, donc j'ai passé la première partie. Ah bah non, mais si, elle l'a déjà dit, c'est... on sait pas d'où vient le Awakening. Cette histoire de porte temporelle, ça me botte, hein. Ça me botte plutôt pas mal. Allez, on va changer le Mitama, vu qu'il est niveau 5, 5 passé. On va mettre elle. Qui me file... Alors ça, on s'en fiche, hein, diffusion. Par contre, elle me file un peu plus de régène. Et... Je peux éviter une mort. C'est quoi, Task, déjà? Ah, une mission, elle est quête. Si je vais ici. L'armure. C'est mon moment. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc bon, je perds de l'armure et... Par contre, c'est plus léger. Mais je vais avoir un bonus. Enfin, un bonus parce que là, j'ai toute la tenue de Sword Fighter. Donc là, après, je peux préparer la prochaine. Les Battle Gloves et tout ça, là. Encore que. Je vais attendre un petit peu, peut-être. Mais je vais farmer le Arrow Valve, là, pour... Parce que là, il me faut un... Aussi, oh, allez. Donc ça, je l'ai fait. Mais je l'équipe pas, par contre. Hein. Hop. Et j'équiperai tout ça quand je l'aurai en entier. Donc il manque l'armure et le casque. Il me faut un Hornbeat et un Flame Fist. Bonjour. Je préfère l'autre bas, mais ça me file un truc cool, je pense, non? Sword Fighter 7. Ça augmente grandement ma défense contre l'eau et la terre. D'accord, donc c'est déjà ma force, hein, quelque part. J'ai 366 de défense. Et l'eau et la terre, bon, 372 de défense, donc c'est déjà mes gros trucs. Mais là, ça me défend encore plus, quoi. Ça me fera vraiment zéro dégâts. Il n'y a pas de truc... J'ai quand même une bonne défense, même. Là où c'est moins bon, c'est le feu et le vent, mais... 170, quoi, ça va. On a vu pire. Ah, l'arbre derrière qui grandit vraiment. Regardez, il a des fleurs. Plus de force de la part du gardien de l'arbre. Maintenant, il a 650 balles. Rien ne l'arrête, hein. Sans balestec. Le bain. C'est pour moi. Go. J'arrive où j'ai des... Quand je marche, j'ai l'impression que j'ai des talents. Et quand je regarde là... Ah si, j'ai des petits talents.
petit talent. Quelqu'un se baigne. Ah, c'est si relaxant. T'avoir près de moi met mon cœur à l'aise. C'est moi ou... Il y a à peu près la même chose que Kika et peut-être que son dialogue a changé parce qu'on est devenus des super amis. Et qu'avec Kika, on est super amis aussi. Plus de... Ah oui, plus de régène. Enfin, plus de partie de la barre de vie devient rouge lorsqu'on se prend un coup. Donc pourra se faire régène ensuite. Comprenez-vous. Oh là là, mon armure! Regardez, c'est mon armure! Mettre à la lumière. Et... Je peux avoir moyen de me mettre à la lumière. Mais dans le principe. On voit pas trop mon visage hein, du coup, mais dans le principe. C'est pas mal. Hein. Ça fait plus plaisir que l'armure qu'on avait à l'entraînement là. Il était relativement terrible quand même. Coucou. Ça c'est déjà fait. On va aller ici. Flight of Fury. Il faut battre un Pyroptérix. On sera avec Nagi, Oka et Ibuki. Et maintenant, on va farmer le Arrow Valve. J'ai déjà oublié ce que j'étais censé avoir. Si, il faut un Flame Fist et un autre truc, je sais plus trop quoi. Pour pouvoir avoir mon armure suivante. Ah, il faut que je le trouve. On va essayer le 8. Comme d'habitude, hein, viser les grosses zones d'abord. Ce n'est pas ici. Ensuite, on peut prendre le 1. Il y a des chances que ce soit au 2. Hein. Au 2 ou au 6. On va voir que là, ça me fait un gros tour. Allons plutôt au 4. On va au 4, on passe au 5, ça fait 6 et après on va à 2. Ça me semble bien. Bon, vu qu'on là, on est contre un mec du feu et j'ai une armure. C'est pas ouf contre le feu, j'ai un peu mal choisi, mais... Mais bon, j'ai pas encore un choix extraordinaire. Armure. Surtout en termes de set complet. Pour ça, quand j'aurai l'autre, c'est en rapport avec le dernier boss qu'on a rencontré. Ça me permettra de pouvoir changer selon les éléments, notamment parce que lui il est notamment en rapport avec le feu. Le feu et la glace. J'imagine que c'est Water et Fire. C'est ici. Mais voilà. Il s'est envolé. Ça va se passer. La bonne petite esquive. Je cible jamais, ça peut être pas mal. Contre les boss en tout cas. Pour voir leurs animes de lancement de coups. Oh, visiblement il m'en veut. Ah, il y a mon petit renard là-bas. Oui. Ah,
assez loin. Ok. Son bouclier qui est parti. D'accord, moi, on va commencer à taper ses ailes. C'est plus difficile d'attaquer une partie en particulier avec le ciblage. Ça m'a fait mal ça, hein. Ça on va pas se mentir, j'ai souffert. Ok, il m'en veut. Ouais, ça c'est bon. Okay. Pas ouf, mais c'est déjà pas mal. Très bien, très bien. Courage au car, tiens le coup. Nice. De Scarlet et Wing. Nice. Ok. J'esquive trop tôt. J'ai récupéré ma vie tellement vite. Il y a peut-être une double zone avec Nagui. Ok. Voilà. J'ai coupé mon esquive à nouveau. Oh, il est retombé. Tiens. C'est pas mal. On prend beaucoup de parties. On se débrouille bien. Nice. Oui. Oh oui, destruction totale. À terre. À terre, on a dit. Par ça. Ok. Oh mais oui, mais moi aussi je t'adore, mon petit renard. Iiii.